On attendait que la loi soit votée. Maintenant, on va attendre qu'elle soit promulguée. Après, nous, on ne prévoit pas avant l'année prochaine. Donc, on profite de ce salon, comme c'est le premier un peu pour les gays. On en profite pour prendre les contacts, voir des choses qui peuvent nous plaire. Et voilà. Il y a forcément des couples qui attendent ça depuis des années. Ça fait des années qu'ils sont en couple et qu'ils attendaient enfin le passage de la loi pour pouvoir imaginer leur mariage. Mais voilà, on ne sait pas du tout. Justement, pour nous aussi, c'est une démarche exploratoire avec les exposants. Et on est à l'écoute en fait de ces nouveaux mariés pour savoir ce dont ils ont envie. Nous, on a pris un thème un peu chic et urbain. On a voulu montrer aussi des choses qu'on ne voit pas forcément traditionnellement dans les mariages. Donc, par exemple, on a cette table-là, qui est la table principale avec le gâteau de Berco, qui est une table complètement laquée blanche, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir des tables nappées. Voilà, tout ça, c'est du matériel qu'on loue, en fait, chez les mêmes loueurs qui vous louent la table et la nappe blanche. Et c'est juste pour montrer aussi qu'on peut faire des choses super sympas.